Eh bien bonjour à tous, c'est Coco. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Infinity, saison 2 du coup. Sur la deuxième. Pour le deuxième épisode, pardon. Alors voilà, on suis arrêté là. J'ai fait une petite maison vite fait. On a deux lits. On a une caisse avec des choses dedans, pardon. Faut que je vous explique l'histoire du loup. On a un mortier. Et on a un loup. Celui-là vient des Islands. Comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, on avait le droit de téléporter deux dinos et fallait juste la règle, c'est juste qu'il soit sur la carte. Moi, j'ai voulu m'installer là au premier épisode, en mode sans dinos, sans rien, sauf que on est dans une zone où c'est difficile, il n'y a que des carnivores, donc je me suis dit tant pis, je vais quand même aller chercher un loup. Et puis voilà, donc j'ai été chercher un loup, et puis c'est tout. Deuxième island, et on a un loup. Et on va aller entamer un deuxième, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui traînait en bas, mais je sais pas où il est. Tout à l'heure, je l'ai vu en bas. Donc cet épisode-là, on va faire un peu de tamine. Alors, il me faudrait un moré là top. Il n'y en a pas. On est vraiment... Ah, il y en a un là. On est vraiment dans un endroit où il y a beaucoup, 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 beaucoup de carnivores. Est-ce que regardez pourquoi je vous dis que c'est difficile? Regardez ce qui arrive là-bas. Techniquement, il va falloir qu'on passe devant en plus pour pouvoir descendre. Donc je vais tamer le loup, peu importe le level, je pense que je vais pas trop faire attention. Cela, l'idée, ça va être d'avoir une meute au plus vite. Où le loup? Là-bas. J'espère juste qu'il est tout seul. C'est pas beau level. Non, c'est pas beau level du tout, 15. Bah ça m'embête parce que j'ai que 15 quoi. Bah après vous allez me dire techniquement on s'en fout. Hein. Plus il va y en avoir mieux ce sera. Après si c'était le sexe opposé j'aurais pu espérer monter les... Faire des repros. Faut pas les embêter quand ils mangent un moustique. Merde. Non, je suis pas là. Faudrait un morée pour pouvoir ramasser très rapidement des narcos en fait. Mais des morées dans par ici. Donné qu'on vit dans un endroit où... Il y a quasiment que des carnivores. J'ai de retrouver mon petit loup. Il est par là. Niveau 15, ça m'embête en niveau 15, hein. C'est vraiment pas assez élevé. C'est quoi comme sexe que t'as toi? Une femelle, pour un mâle.
Vous croyez que c'est lui? Bah tant pis, de toute façon, il va nous en falloir un. Arrête d'attaquer tout le monde! Là, j'espère avoir assez de flèches parce que c'est pas dit que j'en ai. 80, c'est beaucoup plus intéressant. Il dort, Maurice. Plus de flèche. Je vais couvrir l'eau, je vais pouvoir boire en même temps. Ça m'arrange. Est-ce que je peux poule de la peau maintenant? Manque de branchage. Voilà, d'accord, il est paf. Voilà. Si je le balle molasse. Ouh. Ah oui, il fait des mal lui. Mort par là. Ah mais je vais apparaître en haut, je suis con, j'aurais dû apparaître dans le lit. De toute façon c'est simple, c'est vers le désert. Pas plus clair. Voilà, je suis pas du tout au bon endroit. C'est ça qui est bien avec la réapparition. Et ce qui est encore mieux, c'est que là, il y a un Yuti normalement. Voilà, regardez, il nous attend. L'inconvénient, c'est qu'il a un avantage, c'est qu'il n'est pas monté. C'est pas aller chez moi, faut monter par là. Mon loup, dans la logique, il est en neutre, hein, donc il a rien à craindre. Il a connu pire que ça en... Il a connu pire que ça en construisant la maison parce que... J'ai eu quelques soucis quand j'ai construit la maison. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un Megatherium qui me... course. Ouais, j'étais par là, il y avait le Mikum. D'ailleurs, avant de le ramasser.
part. Ouais, c'est pas le plus utile, mais bon. J'espère juste qu'il se fait pas le loup. Sinon, tant pis, il n'y en aura pas de loup. Hein. Paf. Ouais, bah il me saoule ce loup par contre. Mais toujours là. Il faudrait que j'arrive à le bolas, mais... Je sais que c'est simple à utiliser, ce merde. Techniquement, si je fais ça, ça le touche. Techniquement. Voilà, on va faire plus simple, hein, parce que ça ne va jamais y arriver. Voilà. Fou. Pas sans mal, mais on l'a. Bon, on l'a. Bon, 80, il est pas hyper HL, mais ça va faire l'affaire. Nouveau tour, je sais plus, il me semble que c'est en passif avec de la viande pourrite. En soi, je pourrais... je sais plus par contre comment ça marche. Juste pour le fun, parce que je sais pas du tout comment ça marche. J'aurais même pas eu de gerbo en premier, j'aurais un retour. On est pas en... niveau 15, l'avantage c'est que ça doit pas être trop long. Bon, ça va être rapide. Hein. Bah, je vais pas en faire 50 parce qu'après il faut les porter. Hein. Bah non, on repart pas, Maurice. Reviens. Mais si, t'as faim. Paf. Puis bah je vais essayer de faire en même temps mourir la top, ce qui risque d'être plus long. Mais pose-toi. Allez, et ta faim. C'est moche en plus, j'aime pas ça. Je trouve ça moche les vautours. C'est un vautour mais c'est moche. Après, ça n'a jamais fait... était fait, pardon, pour être beau. Voilà. ...8%. Bon, on a le temps, hein. Niveau combien elle m'aurait pas payé? 20, ouais. Maintenant là-bas, je vais voir ce niveau. On va prendre le plus haut des deux. 40. C'est pas non plus... Attendez, ce genre de réaliser. Qu'est-ce que ça, faut que je le monte. Il y a un Yuti devant la porte. Si je pouvais juste se rapprocher des loups, ça serait cool. Alors, s'il n'y en a pas d'autres par là... Non, ça a pas l'air. Je vais pas m'aventurer, j'ai pas de protection. Et j'ai pas pensé à mettre un sac de couchage. Je vais mettre un sac de couchage avant de partir. N'importe où, n'importe comment. Il me faut ça et ça. Un sac de couchage. Paf. Paf. Paf.
Et le Morillatops, 30, c'est ça, 40. Avec des B. Celui, je pense que ça va être beaucoup plus long. Attends, il n'y a rien autour parce que... Je vais pas enlever ce que c'est à faire. Ça se godasse pas cette merde, je croyais. Bah reste bien coincé. Voilà, t'as l'air d'être... ouais. Ça a l'air bien coincé là. Bien. Voilà. Paf. Ramasser des baies en continu parce que moi il m'en faut. C'est vrai que j'ai pas encore pris le goût de la viande. Peut-être falloir que j'y passe d'ailleurs à faire en fait quoi. Mais toi tu as préféré ça. Bon lui il va se lever. Oh, on aura fait un bon premier timing. Après, je vais faire des repros de loup. Alors, normalement, quand on arrive sur Scorch, pour les trois quarts des personnes, enfin, je dis bien pour les trois quarts, parce que tout le monde ne fait pas ça, c'est on tame des raptors, parce que c'est le mieux, mais non, nous, on fait au loup. Et pourquoi pas? Non, mais c'est vrai qu'on le fait au loup. C'est vrai que j'ai amené un loup en même temps, c'est beaucoup plus simple. Après j'ai une impression de qu'ils ont baissé, alors je dis pas enlevé parce que j'en ai vu, mais j'ai l'impression qu'ils ont baissé le nombre de raptors qu'il y a. Parce que j'en ai pas croisé tant que ça, comparé à d'habitude où tu meurs par des raptors H24. Moi je peux mourir, hein, c'est du couchage. Mais ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop près de dégâts l'autre. Bah, faut qu'on retrouve tout ça. Bah techniquement, il est levé, hein. Il était à 98%, il a mangé juste un... Il lui a mangé encore une fois. Donc, techniquement, il bouffe. Merde, il a réussi à monter ce con. En tout cas, j'ai des trucs, mais ça me fait bien chier de les perdre. Merde, ça n'a pas marché. Pousse-toi. Faut retrouver la garde vite. Tout bon. J'ai pas du coup qu'elle levait les lèvres. Vite le deuxième. On va se loger. Hein. Ah, j'étais pas si loin que ça tout à l'heure.
Il est 117, ouais, bah tant pis. Je sais plus combien il était celui-là. 255, c'est le niveau passé. Bien évidemment. Nickel. Moi, nickel. Ouh, c'est battu en plus. C'est battu avec quoi pour repousser ça, lui? Bah, c'est un mauvais la toile, hein. Là, il va falloir jouer stratégique, c'est-à-dire envoyer les loups. Il s'est réchauffé. Oui, les dégâts sont pas les mêmes. Oh, l'effet de meute. C'est 40 le cochon. Vous allez voir que quand on en aura besoin, on ne trouvera pas la chèvre. Toujours pareil, de toute façon. Je suis l'effet surprise, mais... 110. Bah ça y est, il a que 2 levels maintenant. J'hésite à tuer l'ulti parce que si j'ai bien compris, il me débarrasse le lac. Et pour l'instant, je peux cracher dessus, j'avoue. J'ai soif. C'est triste. Ça, c'est un peu triste. Fallait pas venir. Hein. Vous êtes blessé. Ah bon, c'est que ça doit être sérieux quand même. Ah, c'est là. J'hésite vraiment le Yuti. Hein. Est-ce que je le tue? L'inconvénient, c'est que je crois qu'à partir d'un moment, ça fait repop les carnets. C'est parce qu'ils se remplissent et... Oh loup! On va tuer pas un copain vous aussi, vous voulez le tuer? Ah si, on va essayer de le tamer. Y'a des gens. Par contre, si on le tame, vous dégagez de là. Hein. Parce qu'il y a un Yuti. Pas que... C'est le bordel. Ça va être le gros bordel. Non, le lit. Pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, tiens, le terror board a déjà... Tu mets trop de temps de tuer toi. Vite. J'ai pas envie de perdre au moins un loup, ça me ferait chier de les perdre. Ah, 90, il vaudrait tellement le coup. Ouais, je pense que c'est mort, mais... Bah, vu comment le Moria Top vit sa vie... Tapis! Tapis, hein. Il y en aura d'autres, c'est pas faux.
On va vous remettre en neutre, hein, parce que le mourir la top, c'est pas un... C'est déjà un exploit qu'il a réussi à vous défendre. Ça n'a jamais été une bête de guerre, mourir la top, ça. Bah le Yuti s'en va, t'es con, c'était pratique. De toute façon on va pas voir ça, mais t'en fais pas, Moré, on va te régénérer. Mais je vais pas t'utiliser tout de suite. Il y a un Carnot sur le... Je prends des narcos pour essayer de refaire des flèches. Je pense que ça va être tout pour cet épisode-là. Il va peut-être être un peu court. Mais je vais recontinuer à farmer pour agrandir cette maison, pour faire l'atelier, pour... Enfin voilà, tout ce qui est dans le farming, quoi. Rien d'hyper intéressant à regarder. Seul truc que je vais me concentrer, je vais faire pas mal... Alors je vais faire des repos. Si, je vais lancer une repro, mais c'est... Ça sera coupé. Une repro de loup. Et je mets pas de vie parce que potentiellement il va reprendre sa vie là. Et faire une mangeoire aussi, il va falloir que... Bah voilà, en gros là je m'amusais à farmer pour pouvoir faire tout ça. Que l'on quitte ce cube là pour en avoir un meilleur. Avec réflexion, je sais pas si je vais rester là. Sur cette partie là. Ou alors je reculerai la maison dans les... Dans la roche parce que... Qu'on va falloir faire des repos de règles, il va falloir une grande base. Sans parler des comment ça s'appelle, des wyverns qu'on aura aussi, donc ouais. C'est pas dit que je reste là, mais bon, pour l'instant on est bien ici. Je lance les repos de loup, je vous prendrai à la fin quand ils seront nés. Il me semble que les niveaux sont pas si différents que ça. Je sais plus combien lui il était, mais il était pas 200, il me semble pas. Donc techniquement, ça va pas faire un truc phénoménal, point de vue level. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Enfin, je vous retrouve quand les bébés sont... Enfin les bébés, le bébé est né. Puis il faut que je vous dise, je pense que je vais... On va pas rester là. On va descendre. Alors attendez. Juste attendre que ça sorte, que je lui donne à manger. Il n'y aura pas d'imprime, bon c'est pas très grave. Pour moi il est plus là pour la garde que pour la... Oh super, il est moche. Toi t'as pris les couleurs de pacte. Hein. Si on désactivait la pommade, voilà, il va grandir. C'est une femelle. Bon, l'avantage, c'est qu'on pourra faire des repos. On va s'installer, je pense, plus par an là, parce que ça va être plat et ça va être beaucoup plus pratique pour le. Pour tout ce qui va être Rex et tout ça, pour le boss. Enfin, tout ce qui va être terrestre, ça va être plus pratique en bas. Par contre, tout ce qui va être volant, je pense que. Je sais pas si j'utiliserai ça comme voilier. Ça fait faire un sacré détour. On verra ça. Mais je pense que ouais, on ira plus en bas.
Donc voilà, donc moi sur ce, bah je vous dis, on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse Pâques, une bonne année. Alors en off, je pense que là je vais continuer à jouer, je vais faire un atelier. Enfin peut-être le début de la base, mais en bas, je sais pas encore. Je sais pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!